Bon, salut tout le monde, donc on se retrouve dans une vidéo qui n'est pas mon décor en plus. Je suis dans l'appartement de mon copain à Paris parce que ce soir c'est la finale des Next Face Awards. Donc on va se préparer, j'ai envahi un petit peu l'espace de mon copain. Et donc on va faire ça en musique, comme ça ça ira plus vite et après je vous montrerai comment se déroule la soirée. Voilà. Donc avant de commencer en fait, je vais donc me démaquiller, me changer, etc. parce que je fais une partie de mon visage en Venom. Donc le thème c'est Wonderland After Dark et je vais faire Venom en rose, violet, paillettes, tout ça. Tout en gardant un petit côté dark de la Bête de la Nuit, on va dire. Du coup voilà, il faut que je fasse une coiffure. J'ai acheté des petites pinces chez Zara pour que ça aille dans le thème. Et voilà, je vais me changer et je vais commencer le maquillage. Oh,
gauche avec Clotilde Soumissot qui est la make-up artiste de la marque NYX Cosmetics. Et formatrice d'ailleurs pour la marque aussi, il faut le dire. Ensuite nous avons Jade, Jade make-up artiste et artiste. Marie Cabillon que je vous présente ici là, elle se transforme en tout ce que vous voulez. Vous lui demandez après, en tout ce que vous voulez, vraiment, tout. Et bien sûr, pour terminer, notre grande gagnante de l'édition 2018, Cindy. Slow songs, that's just skinny hoes. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Slow songs, that's just skinny hoes. Fuck it up to the tempo. Fuck it up, fuck it up. Boy, you're watching hoes. How you wanna knuckle up? Get on this vibe, baby. You gon' have to buckle up. Think fast, save lives. Call me little Monica. All means necessary. My ass is not an accessory. Accessory, twerk skills up on legendary slow songs. That's just skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. Je dis petit Corentin, mais elle est pas si ça. Hein. Il me semble d'ailleurs que comme Émilie, c'est pas la première fois que tu t'approches un petit peu du top. Comment tu te sens? Ouais, donc l'année dernière, je suis allée en demi-finale. Et là, je suis hyper stressée actuellement. J'imagine comme tous mes camarades, voilà, on est très stressés. Mais très heureux aussi de pouvoir avoir été jusqu'en finale. Et tout. Mais c'est on comme... est très très heureux de t'avoir encore cette année. Merci beaucoup. Et moi j'ai une question. Oui. Combien de temps pour réussir à faire tenir les cheveux? Alors, ça c'est pas moi. Ça c'est un excellent perruquier qui est là-bas avec les cheveux. Bravo! Bravo! Mets ta Christophe sur Instagram. Voilà. Merci. T'as vu l'idée de la bouteille là, non? Ouais, je pense que c'est. Ouais, grosse bouteille. Merci beaucoup, Corentin. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir appeler notre merveilleuse Anna Maria sur scène. Le moment tant attendu. Attention. Vous êtes prêts, vous? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les gens derrière votre téléphone sont prêts aussi? Bon, on va entendre un peu de bruit là quand même. C'est la tristesse. Tout ce travail acharné pour un moment qui est là. Le grand gagnant du prix Make-up Artist de l'année est Corentin. Honnêtement, c'était extraordinaire, tu nous as bluffé, vraiment largement mérité.
retrouve dans un nouveau décor parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire la fin de cette vidéo quand j'étais à Paris. Tout simplement parce que ensuite, quand j'ai fini mon maquillage, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment eu de transition. Parce que direct après, mon Uber est arrivé, il est arrivé en avance. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous montrer ma tenue. Donc au passage, mon haut vient de chez Zara, je l'ai eu il y a 2 jours, donc vous pouvez encore l'avoir si vous voulez. Mon pantalon, je l'ai eu en friperie, du coup pas trop trouvable, mais il y en a un peu de partout, en friperie il y en a beaucoup de ce style. Et mes talons, je les ai eu dans une petite boutique lilloise, donc voilà, c'était vraiment pas très cher. Donc voilà pour le détail, parce que j'ai pas eu le temps de vous montrer ma tenue, et j'avais pris des pinces... que j'ai eu aussi à Zara, c'était des roses, violettes, argentées, pour être un petit peu dans le thème. Donc je m'étais fait une coiffure un peu comme ça et j'avais ondulé tous mes cheveux. Donc voilà, pour le débrief de la tenue. Et après donc j'ai pris mon Uber et j'ai été donc à la soirée qui se déroulait à la boîte Le Yo-Yo à côté du Palais de Tokyo. C'était vraiment super bien, c'était vraiment la première soirée que je faisais de ce style. J'espère vraiment que l'année prochaine je pourrai être encore dans le top 30. En tout cas je donnerai tout pour refaire cette soirée parce que c'était vraiment bien. J'ai rencontré toutes les personnes qui m'inspirent, j'ai rencontré toutes celles du top 30, enfin pas tout le monde mais la plupart. Et surtout j'ai vu les finalistes etc. Et que des gens talentueux et qui m'inspirent beaucoup. Donc j'étais vraiment très contente de voir tout le monde. Et après quand la soirée s'est finie, on est retourné au vestiaire prendre nos affaires. Et nous ont donné, donc j'y suis allée avec ma maman, ils nous ont donné chacun un énorme sachet comme ça. Je sais pas si ça va rentrer dans le cadre, mais vraiment énorme. Dans chaque sachet il y avait le calendrier de l'Avent Nyx. Bah, j'étais super contente, en plus je ne l'avais pas vu au début, j'avais vu juste ça. Donc il est commercialisé bien entendu, il est au prix de 80€ pour une valeur il me semble de 140€ de produit. Je ne sais pas, je mettrai la confirmation ici, je ne suis plus sûre. C'est toujours des petits plus qui font plaisir. Et le lendemain après j'ai été faire un peu les boutiques à Paris, près du Printemps, le boulevard Haussmann, voilà. Donc on a été un peu là et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté parce qu'il n'y en a pas grand chose et on sait jamais si ça peut intéresser. Donc j'ai acheté un petit serre-tête parce que j'ai vu que ça revenait à la mode et franchement j'ai toujours bien aimé les serre-têtes. C'est juste que, je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait gamin d'en mettre. Et là j'en profite que ça redevient à la mode pour en racheter un. Donc lui il est super joli parce qu'il est en simili cuir avec un petit nœud sur le dessus. Que lui je l'ai acheté chez Accessories pour 11,90€. C'est la petite tendance à la Blair Waldorf. Donc j'espère que ça me va. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Alors ensuite, j'ai acheté... Alors ça, il me semble que c'était chez IAM. Donc c'est un petit magasin d'accessoires. Donc une chaîne à lunettes. Je sais pas comment s'il y a un nom à ça, mais bon, j'appelle ça une chaîne à lunettes. Donc voilà, donc ça c'est mes lunettes de base. Et du coup, j'ai pris une chaîne avec des perles parce que je trouvais ça plus chic et je trouvais ça joli comme petit accessoire. Donc voilà, ça va faire un petit peu trop d'accessoires, mais bon, voilà. Moi j'aime bien, puis c'est pratique pour mettre autour du cou. Et ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu, mais je me suis pris ces bottines là chez Mango. Ce sont des bottines en cuir, donc bleu comme vous pouvez le voir. Et ils étaient au prix de 89,95€, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai longtemps hésité à me les prendre, mais c'est un coup de cœur, du coup je les ai prises. J'ai pas vraiment d'excuses pour cet achat, mais vraiment je les adorais et je sens que je vais les saigner. Donc ensuite j'ai pris un jean noir chez Mango aussi, pas de def, hein, évasé vers le bas, et parce que comme je suis grande, je trouve que ça m'allonge encore plus et j'aime bien. Et ça m'affine aussi les jambes, donc il est bien pas de def au bout. Et il était à 35€ il me semble. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, voici mes petits achats de ce week-end. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai un petit peu amené avec moi dans la soirée. Donc voilà, c'est la dernière vidéo sur NYX Face Awards sur ma chaîne. Parce qu'il y avait le premier challenge et le deuxième challenge. Et du coup la finale. Et j'espère que l'année prochaine je referai des vidéos sur NYX Face Awards. Et je vais arrêter la vidéo tout de suite, sinon ça va durer 15 000 ans. Mais j'étais très contente de faire ce petit vlog, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé, si vous avez bien aimé mon maquillage aussi. Je vais vous laisser et passer un bon dimanche. Bye !